La Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en sigle, par son président Constant Omari Selemani, était au chantier du complexe Omnisport de la Kenya ce vendredi 30 avril, sans quérir de l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aire de jeu. Je crois que le travail est bien fait. La chronologie est respectée. Je crois que nous faisons l'entreprise travail. Et j'ose espérer que le 30 juin, quand je serai avec le président Blatter, ça sera pour l'inauguration. Ensuite, Constant Omari Selemani, dit homme moderne, visitera un autre chantier, l'ancien stade manqué de la commune de Kamalondo. Un financement propre et privé de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, président sponsor du tout-puissant Mazembe SPRL et gouverneur de la province du Katanga. La population très contente de ces réalisations aura encore à patienter 22 mois au moins pour le stade Mazembe et plus ou moins 60 jours pour le stade de la Kenya. La Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en sigle, par son président Constant Omari Selemani, était au chantier du complexe Omnisport de la Kenya ce vendredi 30 avril, sans quérir de l'état d'avancement des travaux de modernisation de l'aire de jeu. Je crois que le travail est bien fait. La chronologie est respectée. Je crois que nous faisons l'entreprise travail. Et j'ose espérer que le 30 juin, quand je serai avec le président Blatter, ça sera pour l'inauguration. Ensuite, Constant Omari Selemani, dit homme moderne, visitera un autre chantier, l'ancien stade manqué de la commune de Kamalondo. Un financement propre et privé de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, président sponsor du tout-puissant Mazembe SPRL et gouverneur de la province du Katanga. La population très contente de ces réalisations aura encore à patienter 22 mois au moins pour le stade Mazembe et plus ou moins 60 jours pour le stade de la Kenya.